Et bonne grosse année. Bon an gros nez à tous. La tête baissée. Voilà. Si on baisse, ça passera mieux. Nous sommes présentement le 1er janvier. 2000, combien exactement? 2018? Ça devrait être 2018. 1er janvier 2018, passé d'une minute. Il est minuit une. Incroyable. Nous retrouvons aujourd'hui tous ensemble pour le fameux live du 31 décembre. Qui j'espère sera le dernier. Hein, c'est la dernière fois qu'on fait ça, je vous préviens. Donc avec Castlevania, The Adventure, et ce qui est ouf, c'est que je possédais ce jeu. À l'époque, je l'avais, nom de Dieu, ça doit être un de mes tout premiers jeux Game Boy. Donc c'est assez dingo, beaucoup de nostalgie. Et ce qui est ouf aussi, c'est qu'on joue vraiment avec ma cartouche de l'époque. Et ça, c'est encore plus dingo. Parce que me dire que j'avais ce jeu-là en 90-91 et qu'aujourd'hui, en 2018, la cartouche fonctionne toujours... Ça, c'est quand même le truc le plus dingo. Presque 30 ans après, un peu moins de 30 ans, la cartouche fonctionne toujours, les gars. Incroyable. Alors, vous allez me dire, mais attendez, mais comment il fait pour capturer la Game Boy? Ah! Et non, Docteur Mickey House. Mickey Mouse, Dr. Ralph, non. Nous sommes... Est-ce que quelqu'un va trouver, tiens? Ah, à votre avis, on est où, du coup? Comment on fait? Est-ce que c'est de la magie vaudou? Est-ce que c'est l'esprit de Noël qui nous a permis de faire fonctionner ce jeu en stream? Ah, quelqu'un a-t-il trouvé? Je sais pas si vous avez trouvé, les gars. Non, ce n'est pas le Super Game Boy. Ça aurait pu, mais non, ce n'est pas le Super Game Boy. Ah, et non! La virtuelle console, et non! Personne va trouver, je vais les avoir, hein. Personne va trouver, non, pas sur GameCube, pas le Super Game Boy, pas sur Switch. Si c'est pour dire des conneries, je peux le faire, hein. Super NES Mini, non, pas la Super NES Mini, personne trouve. Ah, vous êtes pas bon, les gars. Mais vous êtes mauvais, que voulez-vous? Raspberry Pi 3, non, ça aurait pu aussi. Mais j'ai expliqué que j'utilisais ma cartouche, pourquoi est-ce que vous me parlez d'émulation? Ah, j'utilise ma cartouche, c'est la cartouche que vous voyez là, c'est pas de l'émulation, c'est la cartouche Game Boy de l'époque. Tu filmes ton écran. Non. Ah, j'aurais pu aussi, remarque. Mais non, je ne filme pas mon écran. Voilà, Agent 212 a trouvé. La console multiconsole là, tout à fait. Donc, cette console multiconsole là, c'est quand même très étonnant que personne n'ait trouvé. Recallbox, non. Ah, voilà, là, il y en a monsieur Shy Guy qui a trouvé. C'est la Retron 5. La Retron 5, plus communément appelée sous le nom d'Etron 5. Le fameux Etron 5. Donc c'est une console sortie il y a genre un an, je dirais. Ouais, 6 mois, un an. Non, plutôt un an. Une bonne année. Et donc c'est une console créée par je ne sais qui. Un truc assez obscur, non officiel, qui fait tourner toutes sortes de cartouches. NES, Super NES, Mega Drive, Game Boy Advance... Et que ce soit des jeux européens, ou américains, ou japonais. Hein. Théoriquement, ça fait tout tourner. OMG, ça fait 10 minutes qu'on te dit. Non, personne ne l'avait dit. Non. Et donc voilà, et donc du coup, il fallait que la Retron 5 fonctionne. Il fallait que la cartouche fonctionne sur la Retron 5. Il fallait que je puisse capturer malgré tout la Retron 5. Enfin, bref, il y avait pas mal de prérequis. Avant d'être certain de pouvoir faire ce live. Et finalement, bah écoutez, ça fonctionne. C'est assez incroyable. Alors, la Retron 5 a un menu pour info. Je dois faire bas. Ah oui, et ce qui est ouf aussi sur la Retron 5, c'est que, alors, il y a une console, il y a une manette de fourni, mais alors elle est absolument immonde. C'est la pire
C'est le pire contrôleur que vous ayez vu de votre vie. Mais vraiment, je déconne pas. Le truc est immonde. Déjà, il y a un truc hallucinant, c'est que il n'y a pas de croix directionnelle, c'est un stick. Alors, c'est le pire stick du monde, certes. Mais en plus de ça, enfin, aucun jeu ne se joue avec le stick. On parle de jeux 8 bits, 16 bits. Ou sur Game Boy, ou sur Game Boy Advance. Pourquoi ils ont mis un stick plutôt qu'une croix? Il me semble que ça, en même temps, je crois savoir que Nintendo possède les droits depuis les Game & Watch de la croix directionnelle classique. Donc peut-être qu'il faut payer des royalties. Peut-être que Sony et Microsoft payent des royalties à Nintendo pour leur croix directionnelle. Et peut-être que du coup, eux ne pouvaient pas. C'est peut-être quelque chose comme ça. Mais en tout cas, le pad, les gars, allez voir ça sur Internet. Tapez Retron 5 pad, Retron 5 contrôleur. Vous allez voir le truc, c'est horrible. Mais c'est horrible en tout sens. Et le pire, c'est que ça fait du bruit. Ça fait du bruit quand tu utilises le stick ou que tu appuies sur les boutons, il y a un bruit horrible. Bref, une infamie. Mais donc, ce qui est cool par contre, c'est qu'on peut brancher les manettes des anciennes consoles, que ce soit NES, Super NES ou Mega Drive. Et donc là, j'ai branché une manette Super Nintendo. J'ai reconfiguré les boutons. Donc, je peux vous montrer ça. Si je fais ça, je crois. Voilà. Alors, il y a également toutes sortes de filtres. Puisque bon, même si on utilise des cartouches, les cartouches de l'époque. Après, ce qu'il y a dans la console, ça reste des émulateurs, évidemment, hein, malgré tout. Donc du coup, tu peux mettre, comme si tu fais de l'émulation sur PC, différents filtres pour améliorer le rendu. Mais si je vais... Est-ce que je vous montre ça? Bon, allez, je vais vous montrer. C'est dans Main Menu, je crois. Bon, j'espère que ça continue à fonctionner. Est-ce que ça continue au moins? Attends, là je vais augmenter le son. Non, c'est bon, ça marche. En fait, regardez, il faut aller dans Settings, c'est assez bien branlé quand même, hein. Et si vous allez dans les contrôleurs, voilà, bouton Mapping. Et là, en fait, vous pouvez utiliser n'importe quel pad pour n'importe quel système. En gros, c'est ça le délire. Et ensuite, vous pouvez reconfigurer tous les... Alors là, il me demande de rentrer une connerie, bon, on s'en fout, on va faire au hasard. Tiens, www, donne... Parce que même si cette console c'est de la merde, ça a quand même été assez bien branlé, je trouve. Vous voyez, là par exemple, j'utilise un pad Super NES pour jouer à la Game Boy ou à la Game Boy Advance. Et donc il me propose tous les boutons de la Game Boy Advance. Donc il n'y en a que deux, les deux gâchettes, le Start et le Select, que je peux du coup associer, attribuer à n'importe quelle touche. Donc, et c'est très facile à faire, et voilà, il y a pas besoin d'avoir Bac plus 10 pour comprendre ça, quoi. Voilà. Donc là, on va pas le faire, donc on dégage de là. J'ai gardé ça, et on est bon. Et donc là, vous voyez que je me suis fait un truc spécial pour Castlevania. Vous voyez? Donc, on est bon. Je reviens là, on reva sur Play, et ça devrait fonctionner. Voilà! Donc voilà, les gars, l'épopée de ce soir, ce que ça va être. Alors. 633 spectateurs, un record loul. On est 633. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que l'épopée du 31, il y a toujours un peu plus de monde. Alors que bon, finalement, l'épopée du 31, les gars, si vous n'êtes pas au courant, les nouveaux arrivants, n'a plus vraiment de sens. Hein, chez le gros ours, sachant que je fais des épopées toute l'année. Donc, l'épopée du 31 est un non-sens, les gars. Bon, c'est rigolo parce qu'on est le 31 et qu'il est minuit, certes. Mais en réalité, les épopées, j'en fais tout le temps. Toutes les semaines, les gars, il y a des épopées. Il y a deux jours, vendredi, on a fait Volgar le gros viking, on l'a fait d'une seule traite, je connaissais pas le jeu, on a commencé à 22h30, on a fini à 8h30 du matin, ça a duré 10h, voilà, ça c'était une vraie épopée. Donc des épopées, il y en a tout le temps les gars. Bon, alors la Retron 5 ne lit pas directement la cartouche, mais fait un dump au début, puis lit le dump, donc au final c'est de l'ému. Ah, c'est vrai que quand on met une cartouche, il y a en fait un... Je me demandais ce que c'était, mais je pense que t'as raison. Je pense qu'en fait, elle doit copier les données de la cartouche dans la mémoire interne de la console. Et du coup, c'est comme ça qu'après, via l'émulateur, il le lit. Donc, c'est vrai que c'est pas... Enfin, si, c'est la cartouche parce qu'elle prend quand même les données de la cartouche, j'ai l'impression. Mais après, je pense que là, par exemple, si j'enlevais la cartouche de la console, peut-être que le jeu continuerait de fonctionner normalement. T'as peut-être raison à ce niveau-là. Donc c'est un émulateur, mais oui, si vous voulez, c'est un émulateur. Oh là 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 là. Oui, 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 c'est un émulateur, bien sûr. Si je voulais pas faire l'émulateur, je serais obligé de filmer la Game Boy, les gars. Oui, parce que même le Super Game Boy, ce serait aussi l'émulation.
Le Super Game Boy branché à la Super NES, c'est aussi de l'émulation. Si on voulait pas faire l'émulation, il n'y a qu'un seul moyen. Je prends la toute première Game Boy et je filme, je ne sais pas comment, sur l'écran, comme je l'avais fait à l'époque avec Tetris. Ma toute première vidéo, comme vous le savez. Tout le monde croit Hooper en live alors qu'il en différé, comme l'allocution du président de la République. Oui, mais c'est un secret. Newnom ne dévoile pas les secrets. Pour le nouvel an, on a droit à un tuto de l'étron 5 de la part du Hooper. Ça mime. Bon, j'espère en toi que vous avez passé du coup un bon réveillon. Hein. Enfin, ceux qui ont eu la chance de passer un réveillon. Hein. Parce qu'après, il y en a qui veulent pas le faire, il y en a qui s'en foutent, et puis il y en a qui sont seuls. Ça dépend. Hein. Moi, je vous cache pas qu'avec les années passant, je m'en tamponne un petit peu, vous voyez. Voilà, avant, je trouvais ça génial. Bon, maintenant... Le 31 à minuit, pour moi, c'est que c'est une soirée comme une autre. Hein. Je fais plus la différence, en fait. Je pense que je suis devenu un vieux con complètement blasé de tout. C'est triste. Ce qui explique pourquoi je n'aime plus jeux vidéo. Et c'est encore plus triste. Vous savez que je rigole, j'adore le jeu vidéo. Mais vous n'aimez pas trop ça, les critiques. Qu'est-ce que je vous dis ? Vous n'aimez pas qu'on vous dise vos quatre vérités sur Mario Odyssey. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, putain. Bon, on y va. Et si on commençait tout à fait Excaliburn. Ah, Excaliburn, magnifique pseudo, j'adore. Excaliburn. Allez, donc je vais couper le son, parce qu'évidemment, vous aurez compris que ce que vous entendez en arrière-plan, en fond sonore, n'est pas le son du jeu. C'est le prologue de Castlevania 4, que je trouve assez énorme, complètement épique et tout. J'ai mis ça parce qu'en fait, le jeu sur Game Boy, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son sur l'écran de titre, il n'y a que dalle. Donc je me suis dit, allez, je suis un gros fifou dans ma tête. On va foutre ça, mais je vais le virer. On va faire ça, voilà. Et donc, on est re-addi. Alors attendez, je vais foutre le chat là. Laissez-moi faire mon petit setup. Voilà. Je fous ça là. Alors vous me direz évidemment si au niveau du son, comment ça se passe, comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Alors ça, on va le foutre comme ça. Je pense que ça ira très bien. Ok, allez. On s'installe. On coupe ça. Et on est parti. Alors même si j'avais ce jeu à l'époque, soyons clairs, je ne m'en souviens plus du tout. Je ne pense pas que je l'avais fini. J'ai plus assez de souvenirs, mais... sachant que je ne finissais quasiment jamais mes jeux de l'époque, je ne pense pas que j'ai fini celui-là non plus. Ça devait être beaucoup trop difficile pour moi. Mais j'ai quelques relents de souvenirs. Je me souviens d'œils énormes. Il y a des yeux énormes des fois qui nous poursuivent, qui nous attaquent. Et je me souviens aussi qu'on peut grimper des lianes ou se la jouer à la Tarzan. Un truc comme ça. Et c'est tout ce que je me souviens, les gars. Je me souviens de rien d'autre. Mais j'avais passé des bons moments sur ce jeu. On peut pas faire grand chose, on peut que sauter. Il y a toujours les chandeliers à péter. N'empêche, je trouve la qualité de l'émulation, elle est pas trop dégueulasse. Hein. La définition est bonne. Sachant qu'en plus, je ne joue pas sur un petit carré. Alors, comment est le son, par contre? Dites-moi le son. Le son, les gars. Dites-moi le son. Putain, ok, d'accord. Donc, ça repop. Et le fouet balançait des boules de feu. Une fois qu'on l'a amélioré, c'est vrai. Allez, ce thème est excellent. Hein. Je m'en souvenais. Après, tout à l'heure, j'ai déjà relancé les jeux. Enfin, je l'ai relancé hier pour être certain qu'il fonctionnait. Et de suite, instantanément, ce thème m'est revenu en mémoire. Le son, je m'en rappelais, c'est quand même assez incroyable. Je me rappelais de ce thème en tout cas. Ce thème là, je m'en rappelais. Et alors là, il me semble, ça aussi je m'étais dit ça hier, je crois que des fois il y a des passages secrets en haut, qu'on peut continuer à grimper. Ça me dit quelque chose. Il me semble. À moins qu'il faille d'abord balancer le fouet ou un truc du genre, ou alors que c'était sur le côté, mais
l'appareil. J'ai des relents souvenirs, voyez. Une sorte de mémoire résiduelle. Ah mais voilà les yeux, voilà les yeux. On peut les péter. Voilà, les gros yeux, ça n'a aucun sens. Hein. Des gros yeux qui nous attaquent. Alors, vous me dites que... Il n'y a pas d'autre qui arrive. L'invisibilité. Très bien. Je vais aller en haut. Il me semble vraiment qu'il y a un truc. Ah non, putain. Attends, ou alors, non, attends. Peut-être que je me gourre, alors. Hein. Je pensais vraiment qu'il y avait des passages secrets là, en hauteur. Tellement que ça me disait quelque chose, mais... Bon, par contre, ça rame. Hein. Putain, les gars, ça rame. Ouh! Ton, ton, ton. Donc, on peut voir qu'il y a un timer. Alors, j'imagine évidemment que c'est que pour le premier niveau, parce qu'il faut quand même pas déconner. Même si je pense pas que le jeu soit très très long. En bas à gauche, c'est notre barre de vie. Et donc, on a donc le score de l'autre côté. Est-ce que tout fonctionne au moins? Le son MIDI. Ah ben oui, là c'est sûr que là c'est du MIDI. Hein. L'orchestrage, fallait attendre un petit peu, les gars. Invincibilité. Alors, le cœur, ça doit être pour remettre de la vie, j'imagine. Ça doit être ça. J'ai dû me gourer pour ça. Non, c'est bizarre. J'ai vraiment pourtant ce souvenir. Encore une visibilité, oh là là, mais ils sont vachement généreux. Ils sont hyper généreux avec l'invisibilité. Putain! Eh mais comment je le savais? Comment je le savais? Ça c'est incroyable. Et donc j'avais trouvé ça à l'époque. Je sais pas comment j'avais fait pour trouver un truc pareil. Putain, c'est incroyable. Ah là 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 là, donc je m'en rappelais bien. Hein. C'est fou, je m'en rappelais bien de ça. Oh, une vie. Alors une vie, upgrade du fouet, un cœur. Alors le son est encore trop fort, attendez. Je vais baisser un petit peu le son. Hein. Voilà. Vous me direz là comment ça va au niveau du son. Vous me direz là comment c'est. Il est quand même pas mal, donc ce jeu était vraiment bien. Hein. Ah, ça m'étonne pas que je l'ai aimé à l'époque, sans déconner. C'est quand même vachement sympa. Hein. Pourtant, c'est un des premiers jeux Game Boy. Hein. Il est sorti en 89. La Game Boy, pareil, est sorti en 89. Automatiquement, c'est un des premiers jeux Game Boy. Est-ce qu'il n'y aurait pas des poulets cachés? Ça sent secret là. Non. On va dire que non. Bon, pour l'instant, c'est pas trop dur. Ce qui m'étonne. Ah, on peut décimer les boules directement. Que dalle ici. Oh! Putain, je me rappelais pas du tout de ça. Ah, je me rappelais pas du tout que ça s'affaissait, ça. Putain, fourberie. D'accord. Bon. Les plateformes s'affaissent sous notre gros poids. Eh bien, très bien qu'il en soit un. Oh, putain! J'espère qu'on a des continues parce que je ne sais pas si on l'a tous retorché depuis le début quand on n'a plus de vie. Comment ça se passe ?
Ah, ça c'est une bonne question. Ah oui, alors du coup le problème c'est que maintenant j'ai un fouet pourri. Ah mais voilà, j'ai un fouet tout moisi maintenant, et oui. Ah c'est la kélosse. Ah oui d'accord, et oui. Ça c'est un gros problème ça. Bon les chauves-souris, j'en fais mon affaire, alors c'est ici, alors attends. Wow. Oh là ça y est, ça commence à être juste là. Ça fait ce... Oh putain. Oh putain! Oh putain, ça repop en plus. C'est bizarre qu'il y ait un chemin en hauteur. Il y a soit un secret, j'imagine. Non? Ça sert que dalle de... Ah mais d'accord, je suis obligé de le prendre. Ah putain, on est obligé. D'accord, ok. On est obligé d'y... On est obligé d'aller en hauteur, d'accord. Je me disais aussi, c'était curieux ce passage. Oh là 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 là. Ok, donc ça se joue au poil. What? Oh! Je sens qu'ils vont nous faire le même coup, on va passer en haut. Ok, ah il y a peut-être un secret en bas. Il y a peut-être un poulet là. Ça sentait bien, bien le poulet là. Oh boss, ça sent le boss, ça sent le boss, ça sent le boss, attention. Pas de boss? Faut... Alors... Ah non, il n'y a pas de boss. Ah d'accord, il pop quand on fait ça. Oh là. Oh là, il est fort hauteur aussi. Merde. Oh putain! Bon, ça va. Oh merde, j'ai... Ah mais j'ai un bouclier pourri maintenant! Bon ça va. Je me rappelais pas de lui. Hein. Il a pas l'air trop coriace. Ah, bourré. Mais quelle victoire! 4 minutes 13. Le timer nous file des points pour un. Eh ben c'est lui first try. Hein. Il nous reste 2 vies. Alors la musique change. Alors là déjà, oui, je m'en souviens plus du tout. Là déjà, je pense que j'étais quand même arrivé jusque-là à l'époque, faut pas déconner. Hein. Même si j'étais particulièrement mauvais, bon. J'ai quand même dû réussir à arriver jusque-là. Mais what? Oh là là! Ce qui est dommage, c'est que le scrolling il saccade grave. Hein. Je sais pas comment ça rend sur la vidéo, mais. En live, mais. Le scrolling, quand on avance, c'est pas beau, quoi. C'est peut-être parce que c'est la version pâle, quoi. C'est. Oh putain, attention à ça. C'est peut-être parce que c'est la version pâle et que donc on est en 50 Hz. C'est peut-être ça. Ou alors c'est le jeu qui était comme ça, quelle que soit la version, je ne sais pas. Bon, on s'attaquait par des cobras. Ah, on peut péter les boules, putain, d'accord. On peut péter les boules. On va aller en bas. Putain, il se traîne quand même. Oh putain. Je l'ai senti arriver. Oh putain, je l'ai ressenti arriver par derrière ça.
Exactement comme Volgar. Hein. Exactement comme Volgar, le gros viking. C'est énorme, c'est les mêmes ennemis. Ah, par contre, j'ai peut-être passé en hauteur. Je vois qu'il y a 4 chandeliers. Il y a 3 chandeliers. Ça aurait peut-être le coup, les gars. Merde. Ah, putain. Oh, putain. Alors là, la grosse défaite, là. Oh, putain. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Bon, cœur. Ah, ça remet que 2 barres de vie. Ah, d'accord. Ok, 2 cœurs. Et de la saloperie. Putain, il est tellement lent à attaquer. On va rester là, ça a l'air safe. Oh, t'es sérieux? Non, il l'envoie de l'autre côté, mais c'est pas possible. Bon, alors là, on voit ce qu'il faut faire. Ok. Ça rend grave, oui, c'est ignoble. Ah non, mais c'est clair. Oh! Oh là 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 là, d'accord, ok. Ah ouais, non, non, le scrolling il s'accade beaucoup. Hein. Putain, mais c'est. Oh! Bon, je vais laisser tomber l'invincibilité. Faut que je réussisse à garder mon fouet. Quoi, meilleure technique là. Oh là, c'est difficile de pas se faire toucher. Voilà, 2 coups avec le fouet amélioré. Putain, mais ça rame tellement. Ah, ça rame tellement. On va passer par le bas. Et ça rame, c'est un truc de fou. Là, il y a du ramage. Voilà, 3 coups avec le fouet amélioré. Très bien. Bon, c'est là qu'on est mort, c'est là. Putain, mais oui, mais c'est chaud aussi. Mais non! Oh là là, mais ça rame trop! Ça rame trop! J'ai plus de vie. C'est ma dernière vie déjà. Ça rame un truc de ouf. Super. Oh putain, je devrais avancer sans... Oh putain! Ça rame, mais un truc de fou, là. Ce scrolling va me rendre fou. Hein. Ce scrolling va me rendre fou. Putain, ça rame, mais c'est incroyable. Putain, la vache. On dirait qu'on joue en mode ralenti. Hein. On dirait vraiment qu'on joue en mode ralenti. Hein. On dirait qu'on joue sous la flotte, quoi. Gameplay aquatique. Putain, mais à chaque fois! Mais ouais, mais comment veux-tu, putain?
Bon, c'est quoi ce passage du bas là? Comprends pas. Oh là là là, mais c'est pas possible! J'ai encore une vie? Ah mais j'ai encore une vie. J'essaie de foncer. Lui je le tue. Ah d'accord, ok, superbe. Oh mais. Putain! Oh là là! Mais what? Ah mon Dieu! Ah, vous savez, parfois, il faut savoir laisser les souvenirs au placard. Hein. Parce que moi, quand je vois ça. Oh putain! Ah, c'est compliqué, les gars. Bon, faut absolument qu'on arrive à passer le trou là. Je vais attendre pour sauter encore un petit peu. Je pense que c'est ça le problème, clairement. Génial. Bon. Allez. Là, je vais sauter, mais au dernier moment. Allez, on y est. Putain, mais il y a une latence qui est tellement énorme. Oh, cette esquive non voulue était magnifique. Cette esquive non voulue était parfaite. Ah, je suis dans la merde. Ah oui, d'accord, ok. Oh là là. Oh, mais voilà, game over. Ok, d'accord. Ça va être compliqué, les gars. Ça va être compliqué. Ah non, il y a des continus. Attention, il y a des continus. Il y a des continus. On recommence d'où? Ah non, ça va. J'ai eu peur qu'on se retape tout du début à chaque fois. Alors attendez, il y a des continus. Alors comment il y a de continus, c'est la question. Mais c'est horrible ces chauves-souris de merde quand même là. Il y a des continus. Calmez-vous, tout va bien. Mais tire! Oh, putain, mais c'est pas possible. Allez, on tient le bon bout. Voilà. Voilà. Bon, le truc, il faut surtout pas que je trépasse en dessous là. Putain, il était juste, hein. Il était juste celui-là. Et merde! Non, pourquoi il y en a deux en bas?
Ah d'accord, ok. Putain, mais c'est pas vrai! Bon alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'en fait quand on tue les gros nœuds là, ça fait péter le pont, donc je vais les sauter. On va tout sauter. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà. Non, de l'autre côté, espèce de con! Pas mal, pas mal là. Je l'ai tué. Oui! Ça c'est plutôt du bien joué. Pas mal. Je vais sauter. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ça sent le first try, hein. Ça sent le first try, cette histoire de pont, mais il est hyper long. Merde, putain, ils sont deux, là. Oh, comment ils sont censés faire, là. Merde, j'aurais dû le tirer. Fallait le fouetter, là. Petit passage en haut, là, non, non. Ok, bon. Alors, j'imagine quand même qu'on se fait pas avoir par le plafond, là. On est d'accord, hein. On s'est quand même pas touché par les stalactites, loul. Bon, je vais tenter d'aller choper le chandelier. Ah, ok, d'accord. C'est foiré, on va aller où? Allez, on va par là. Ça, c'est bien joué. Bon, on va repasser par la gauche. Putain, c'est horrible les chauves-souris, tu peux rien faire. Hein. Attendez, c'est. Je me demande si en fait il fallait pas passer à droite. On va aller à droite pour voir. Mais vas-y! Oh putain! Putain, enfin j'ai augmenté mon fouet! Quand l'épopée de Crash 3 warped. Ah mais ça. Une bien belle question. Peut-être mercredi prochain. Alors tu viens ? Enculé, pourquoi il y en a eu deux à la suite? Aucun sens. Ok, mais si vite, on est bon. Ça sent le secret là en haut, non? Non, putain, toujours pas. Ok, ils nous refont le coup. Mais le problème, c'est que s'il y en a deux à la filée, je suis un petit peu foutu, moi. Oh merde, j'aurais dû continuer. Ah, j'aurais pas dû m'arrêter. Je pensais pas qu'il y en aurait deux comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça rame trop! Attendez, je rêve ou je suis en train de repartir en arrière là? C'est quoi ces conneries? Je suis quand même pas en train de revenir en arrière? Ça me fait peur. Ouais, je suis. Mais merde. Putain. Mais merde! Quoi? Putain, je suis vraiment revenu en arrière en plus! La blague, mais comment c'est possible? Non! Mais c'est pas vrai! Comment c'est possible? Non, mais c'est impossible! Mais. Oh putain, j'y crois pas. C'est quoi ce bordel?
Oh là là. La double esquive du gros ours. Plus que 4 points de vie. Ça sent la mort. Oh mais ça rame tellement les gars. Bon, qu'est-ce que j'ai mal fait là? Je comprends pas. Il y avait sûrement un passage précis. Il fallait sûrement passer à un endroit précis. Mais comment j'ai pu revenir? Non mais attendez, c'est incroyable ça! Comment j'ai pu revenir à l'entrée du niveau? Et sans le voir en plus, hein. C'est ça le pire. Je suis quand même pas obligé d'aller choper le chandelier. Attendez, je comprends plus rien là. Ah! Ah voyons. Oh putain, c'est une vie! Pas mal, mais c'est une vie. Bon, je vais aller à droite. Voyons, là on est ici. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Si j'ai par là, il se passe quoi? Là je suis là. Je peux pas sauter là-bas. Si je vais là, il se passe quoi? Ah attendez, on n'est jamais venu là. Peut-être ici alors. Ça me dit rien du tout cet endroit. Mais si je suis déjà venu là? Mais attendez, mais what? C'est un labyrinthe de la mort ici? Oh putain. Je suis foutu. J'ai l'impression que je suis encore revenu en arrière, les gars. J'ai l'impression que je suis encore revenu. Ah non, attendez. Putain, je sais plus. Est-ce qu'on est venu ici? Mais si on est venu ici? Non? Ah non. Mais non, en fait, non. Bah, je croyais. Bon, je sais pas, j'y comprends rien. Mais ouais, mais comment veux-tu aussi? Bon, je peux plus me faire toucher, là. Je crois pas être déjà... Oh, putain! Ah, parfait. On a du bon au niveau du checkpoint. Ok. On a eu beaucoup de bol au checkpoint, là. Ok. Ah, attention, en haut ou en bas? Allez, je tente le haut. On tente le haut, et le haut, qu'est-ce qui se passe? Ok, le haut, il y a ça. Merde! Je voulais pas dire tomber! C'est le boss? Ah, c'est le boss. Putain, mais... Oh mais c'est quoi, c'est des vieilles grenouilles de merde? Non! Oh non! Est-ce que c'est vraiment un boss ça? Mais quoi, mais c'est impossible à avoir enfin! Mais putain, la hitbox est pourrie de ce jeu, sans déconner! On se fait toucher, on comprend rien! Ah je suis foutu encore, mais comment voulez-vous? Mais vous avez vu? Non mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi! Des vieilles grenouilles de merde. Bon, il faut que je réussisse à garder mon long fouet sans me faire toucher. Du coup, à quoi ça sert d'aller en hauteur là? Je comprends pas bien là. C'est quoi le délire là? Est-ce qu'on est dans débile? Je comprends pas. En retombant, je te retombe ici. Mais non! Ah d'accord, c'est n'importe quoi. Mais putain, tu peux rien faire. Non mais tu ne peux rien faire. Hein. Ok, faut attendre là en fait, d'accord. Mais putain, va te faire enculer! Non!
Allez, c'est bon, je suis foutu. Et putain. Mais tu peux pas, hein. Non! Je l'ai eu. N'importe quoi, ce boss. Bon, on l'a eu. L'antre de la grenouille de la folie, ici. Hein. Non, mais la hitbox est complètement pétée, les gars. La hitbox est complètement pétée, hein, je vous le dis. Hein. C'est n'importe nawak. Bien. Ça me congratule sur le bon gros chaton, ça me congratule. Mais je le mérite. Je le mérite. Ah merde, je pourrais pas avoir ce vidéo. Ouais. Mal joué. Ah putain de merde. Oh putain. What? Je peux pas passer par là? Mais qu'est-ce que je fais? Oh, il fallait péter le pilier. Je pense qu'il fallait péter le pilier, là, le mécanisme. Ça doit être ça. Ah, d'accord! Alors, j'espère qu'on a un continu qui va nous permettre de recommencer là. On va voir. Oui. Ah, j'ai l'impression que les continus sont infinis. J'ai l'impression que les continus sont illimités. Bon, c'est parfait. Bon, très bien. Très très bien. Contre là, petit secret peut-être, non, dans le mur là. Non. Alors du coup, comment je suis censé faire pour choper ça? En fait, je dois le faire de là. Mais l'autre, comment je fais du coup? Je peux pas la choper. Je peux pas sauter. Comment je suis censé attraper ce chandelier? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Ah mais non! Qu'il est con, mais qu'il est con! Voilà, ok. Ok. Bon là, c'est du classique, ça devrait passer. C'est quand même pas mal hein, pour l'un des premiers jeux Game Boy. Pas mal, le premier Castlevania sur portable. C'est quand même pas mal les gars. Juste dommage que le scrolling... Oulala là par contre. J'y vais là? Wow, 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 on va laisser tomber les chandeliers, hein, loul. Quoi? Oh là là, les pics de merde. Mais la hitbox est vraiment pétée. Elle s'en déconne, là. À l'échelle du jeu, j'étais à 50 cm du pic quand il m'a eu. Ça n'a aucun putain de sens, hein. Sérieux, quoi. Tu touches le pic. Bon, après, je peux pas en vouloir à ce jeu. C'est tous les jeux de l'époque où il y avait des pics. Tu les touches, tu crèves. Donc... tu peux pas en vouloir, ça a toujours été comme ça à l'époque. Bon, très bien. Apparemment, c'est écrit dans les textes. Ok, donc là, je run direct. Tant pis pour le chandelier, je vois pas comment on peut le choper. Peut-être après en revenant, ça doit être ça. En fait, c'est de là. J'attends que ça revienne. Et genre, j'y vais là, ça doit être ça. Ah, d'accord, ok, tout ça pour ça, génial les gars, génial. Merci beaucoup. Ok. Ah, parfait. Nickel, j'ai le fouet. J'ai le fouet qui jette des petites bouboules enflammées. Oh putain, non, pas un passage comme ça. Oh merde. Ok. Oh là là, il fallait attendre. C'est horrible ces passages. Il fallait attendre. Non, mais c'est ma faute. J'ai été con. Il faut plus attendre que ça à chaque fois. Je me fais toujours avoir. Il faut plus attendre.
Comment je peux attraper ce chandelier? Vous m'expliquez ça, les gars? Je ne peux pas sauter, hein. Merde! Oh non, le con, le con, le con. Est-ce qu'on peut vraiment attraper le chandelier, là? Fallait pas attendre, fallait juste bien sauter au millimètre près. Oui, non, mais ça, d'accord, mais... Je parle du chandelier. Est-ce que vous pensez qu'on peut choper le chandelier? Bon, du coup, ce chandelier, il n'y a qu'une pièce. On s'en fout. Non, on va attendre. Hein. J'ai mal pris. Alors, en retournant au chandelier juste après avoir pété le mécanisme. Ah, faut revenir après le mécanisme. Ah oui, ça doit être ça. Ça peut être ça, ouais. Effectivement. Ça peut être ça. Ouais, je pense que t'as raison. Hein. Bon, là, on va attendre. Hein. Voilà. Oh, putain de merde. Oh, putain, non, pas ça. Ok, on est dans la merde, attention. Ils vont être bloqués là, je vais devoir aller à droite, j'imagine, ça doit être ça. Voilà. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on je fais là? Je vais attendre qu'il reparte, lui, non? Non, il repart pas, lui. Ah, ok, d'accord. Ah, 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 génial. Allez, je suis foutu. Étant donné que j'y arrive. Oh, putain, c'est horrible, ce genre de passage. Ça va être immonde. C'est-à-dire que je dois réussir à aller... à devancer le mob pour le tuer avant, sinon c'est pas possible. Ça doit être ça. Bon. Par contre, j'ai quand même regardé du coup ce chandelier. Il pourrait y avoir une vie. Et du coup, s'il y a une vie, ça peut vraiment valoir le coup. Mais non, parce que... Mais non, même si je reviens, je pourrais pas le choper, ce chandelier. Pourquoi? Attends, on va quand même voir, mais... Voyons. Je pète le mécanisme. Bon, et alors? On s'en fout. Je peux pas revenir. Et les pics du haut ne cassent pas les chandeliers, on l'a bien vu. C'est bizarre, non? Je vois pas comment on peut faire. Hein. Je vois... Ah mais d'accord, ok. Loul. Le truc, il a repop. Ouais, je vois pas comment on peut faire. Mais non, apparemment, il n'y a pas d'arme secondaire. Non, non. Je crois qu'il n'y a pas d'arme secondaire dans ce jeu. Le gameplay est assez simpliste. Hein. T'as que le fouet. T'as que le fouet et t'as que le saut classique. Ça, on s'en fout. Voilà. Donc là, je peux lancer les boules, attention. Tu vois? Je vois pas comment c'est possible. T'as essayé de sauter sur la plateforme, t'es sûr que les pics te tuent. Mais oui, tout à l'heure je suis mort. Et on ne peut pas doser nos sauts. Donc si je saute là, forcément je me prends les pics là. Donc il faut que tu arrives là avec le fouet à boule. Ben ouais, mais c'est le début du niveau. C'est le début du niveau. Donc à moins qu'il y ait un passage secret, tu vois. Ou alors ça veut dire que il faut pas que je meure en fait par rapport au niveau précédent, c'est ça? C'est peut-être ça. Peut-être qu'en fait il faut pas mourir au niveau précédent et du coup tu as le fouet qui balance la boule de feu. Et du coup, ça te permet de pouvoir péter le chandelier. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Hein.
La tactique, c'est bien jouer. Ah d'accord, c'est ça. Il est quand même pas mal ce jeu, non? Et moi j'aime bien. Hein. J'aime bien, mais vous voyez, quand j'y joue, je comprends pourquoi j'ai pas pu le finir. Hein. Je comprends bien. Surtout qu'à l'époque, j'étais encore plus mauvais qu'aujourd'hui. Oui, je sais, c'est difficile à croire. Mais c'est la triste réalité. Bon, là, attention. Hein. Voilà, ça n'a rien de dur. Ça n'a rien de dur. Alors, par contre, du coup, à mon avis, ce qu'il faut faire. Il faut réussir à devancer le bordel, je pense. Faut que je réussisse à devancer la bestiole. Je pense que c'est ça. Vite, 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 vite. À l'accord. À l'accord. À l'accord. Non, mais putain, mais ça rame tellement. Mais on joue à 1 FPS, quoi. 1 FPS. Sérieux. Ah, par contre, bonne nouvelle, il y a un checkpoint ici. Ah. Là, tu me fais plaisir, monsieur Konami. Là, tu me fais plaisir. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, monsieur Konami. Faut que je réussisse à l'avoir. Mais putain, mais c'est tellement de la merde. Mais quoi? Mais on va te faire enculer, saleté de tatou. Ah, je suis foutu là, je suis foutu, c'est sûr. Mais ça rame trop! Je vais sauter. Mais c'est tellement de la merde! Quoi? Oh mon Dieu! Mon Dieu! Libérez-nous du malin! Oh. Ah putain! Ça va être compliqué. Hein. Ce passage a l'air ardu. C'est la bonne. Pourquoi je pète ça? Ça sert à rien. Ça par contre, ça sert. Bon, je vais essayer. Je sais pas comment faire en fait. Je ne sais pas comment faire. Je pensais qu'il fallait péter l'espèce de tatou, mais... J'arrive pas à aller d'avant. Ou alors je le saute. Mais non, tu peux rien faire, hein. Mais sans déconner, comment on passe ce passage-là, bordel? Mais... Bon, lui, par contre, je vais le tuer. Il faut qu'un seul coup. Avec le fouet amélioré, un seul coup. Très bien. Allez, ça c'est bon. Donc, pourquoi il y a deux cordes là? Ah oui, d'accord. Donc, ça c'est bon. Alors, le problème c'est le tatou là du haut. Il faut réussir à le tuer. Hein. Ouais, il faut le tuer. Il faut que je le tue. Voilà. Attention. Oulala, mon œil, il faut aller bien en haut là pour sauter sinon. Maintenant. Ok. Oulala, mais c'est. What? Mais putain, what? Non mais attends. Mais c'est dingo là ce passage de merde, vous avez vu ça? Putain. J'aurais dû sauter plus tôt. Faut être ça.
Non mais c'est impossible, mais putain. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Hein. Ah mais d'accord. Ah d'accord, ok. Ah d'accord. C'est génial. On va essayer de sauter. Non mais, cette hitbox des enfers. Bah, je suis foutu là. Je pense que les pics sont trop hauts de toute façon. Je vois pas comment je peux y arriver. On va quand même tenter pour l'honneur. Pour l'honneur. J'essaie de le sauter. Putain, il me renvoie tout le temps de l'autre côté en plus. Hein. Tout le temps du mauvais côté. Hein. C'est dingo parce que même quand je suis du côté droit, il me renvoie vraiment du côté gauche, tu vois. Juste là où tu veux pas aller. Le problème de le tuer, c'est que là je peux plus, j'ai le fouet pourri. D'accord, ok. Quand je lui donne un coup avec le fouet pourri, il roule. Ah, super, j'ai pas eu le temps de sauter. Merci. J'essaie de le faire pareil, là. Voilà. Voilà, ok, d'accord. Et là, le problème, c'est que, putain, quand est-ce que je vais sauter? À mon avis, allez, maintenant. Ah, ça devrait passer, là. Yes, allez. Dites-moi que c'est la fin, dites-moi que c'est la fin. Dites-moi que c'est la fin, les gars. Oh, non. Non. Dans la merde. Oh ah 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 ah. Je suis comment là? Non. Comment je fais? What? Comment on fait? Ah, il fallait aller en... Oh là là, fallait aller en de l'autre côté, du côté gauche. Mais putain. Il fallait compter du côté gauche en fait. C'était du côté gauche. Bon. Et ben voilà. Un petit peu fourberie quand même à ce niveau. Pas sûr que ça passe là. Ah, vous me dites si vous voulez que je baisse le son du jeu, parce que bon. À force, il paraît que ça rend fou. Bon. Là, il faut y arriver parce que j'ai le bon fouet, donc je peux les tuer en un seul coup. Du coup, c'est un petit peu plus simple. J'essaie de l'avoir direct. Voilà! Là, faut attendre clairement. Voilà. Voilà. Le son est ok? Bien. Ok. Là, on est pas mal. On tient le bambou.
Alors par contre, c'est là où il faut bien choisir quand sauter. À mon avis, maintenant. Ça devrait être bon. Ok. Le son est bon, le skill ne l'est pas. Banis. Non mais quoi, je l'aurais eu tué en un coup. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il est pas mort. Il aurait dû mourir. Incompréhensible. Bon là il faut aller du côté gauche. Hein. Côté gauche. Mais je vais pas le tuer. Alors attention. Faut pas se planter sur le sol, attention. Oh! D'accord, c'est interminable. Ok, on est bon là. Ça finit jamais. Ça ne finit jamais. Si. Victoire. Merde, c'est pas fini. Mais saute du con. Merde. Ah, ils sont sympas. Ils sont sympas. Attention. Ok, c'est bon, on a amélioré le fouet. Que je me manie là. Faut vraiment attendre. Putain, mais ça rame tellement, mais tellement! Mais c'est quoi ce passage là? Oh bordel de merde. Ah d'accord. C'est quoi ces sauts? Non mais c'est n'importe quoi ce jeu. Allez, ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça rame tellement, mon dieu! Je laisse tomber les chandeliers, hein. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ces conneries. Oh!
C'est fini, là, quand même. Mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est pas fini. C'est pas fini. Ça ne finit jamais. Non, mais attendez. Je vais y arriver, là, quand même. Mais d'accord. C'est bon. Ah, c'est fini, là, quand même. Je pense que c'est fini. Ah, ça sent le boss. Attention, on va se concentrer. On va essayer de le péter direct. Hein. Ah, d'accord. Étrange. Oh là, oh là. Putain, j'ai de la chance qu'il me touche pas. Hein. Oh là, il est chelou. Tu descends ou pas? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a pas touché! Loul! Bon. Mais très bien, ouais. Bah, il avait pas de vie. En plus, il avait l'air assez dur, mais il a pas de vie, hein. Il avait pas de vie. Bon, très bien. Encore du first try, putain. Ça me congratule. D'accord. Oh, attendez, ce serait pas le thème Vampire Killer ou Bloody Tears ou je sais pas quoi. Ça ressemble. On dirait que c'est ça. Ok, level design sur 20 là. Le truc, c'est une route. Ah, d'accord. Bien sûr, oui. Oh là là, c'est esquive. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Oh putain, ils te remettent le boss. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il a repop! Ah, je suis foutu là! Je suis foutu! Mais oui, mais non! Mais l'autre il repop derrière là, ça n'a pas de sens enfin! Pas de sens les gars, pas de sens! On dirait quelques notes de Bloody Tears en effet. Ben oui, c'est ça, j'ai l'impression. Il y a un petit peu de Bloody Tears là-dedans. Putain, mais comment? Bon, c'est bon, maintenant j'ai le fou amélioré, ça devrait aller. Hein. Non! Ah, je rêve ou c'est complètement... J'ai l'impression que le pop des chevaliers à l'arrière est aléatoire, c'est marrant. Bon là par contre l'autre il faut que je le fasse mais... Ah va te faire. Putain mais... Mais what? Mais putain c'est... Ah il faut vraiment réussir à arriver là avec le fou amélioré sinon c'est trop galère. Hein. Bon, il faut juste que je ne fasse pas toucher par les chevaliers ici c'est tout. Voilà.
Il faut garder le foie amélioré, les gars. C'est primordial. Hein. Il y a plus de chevalet qui pop. Tout est normal. Non, il pop en arrière. Oh, tu sais quoi? Je vais essayer de prendre... Merde, c'était pas ça. Ah, c'est pas grave. Il est mort. Allez, la boule! Voilà! C'est bon. Là, on est bon. Ok, on a le foie amélioré. Maintenant, faut juste ne pas faire le con. Voilà, l'autre va se faire vite fait. Et bien fait! Ah, il m'a touché? Que je suis con. Je suis con, c'est ma faute. Hein. Oh non, pas ça! Non! Eh bien. Oh là là, je suis à moitié bloqué en plus, c'est vraiment génial. Allez, les cobras. Putain, mais combien il y en a? Oh putain. Vous êtes combien, les gars? Il y en a encore un. Hein. Bravo! Juste quand il fallait pas. Voilà, parfait, parfait, parfait! T'avais le temps de dégainer, quoi. T'as le temps de mourir 50 fois, sans déconner. Oh là là, mais ça rame trop, mon dieu! Trop de ramage, tu le ramage, les gars. D'accord. Ah, d'accord. Splendide. J'ai plus de vie. On est 950? Non, arrête, c'est pas possible. Vous êtes pas sérieux, là. On n'est pas 950. Attends. C'est pas possible. 1000? Mais non. Peut pas être 1000. Que viendrait faire 1000 péants? Voir un handicapé jouer à Castlevania sur Game Boy. Oh! Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Des plateformes mouvantes, caporal! Oh là là, il faut que je saute là-dessus. Non, attends, comment je vais faire là? Attendez. Je saute sur celle-là. Je... Mais non, parce qu'après je vais mourir. Attends, il faut que j'attende. Attendez. Je saute là. Oh, mais ça a l'air méga chaud, ça. Il faut que je saute après qu'elle soit passée. Attends, ça a l'air impossible. Un passage secret? Non. Attendez, ça a l'air impossible, ce passage-là. What the hell? Ah oui, non, d'accord. Je pense que j'ai compris. Je vais... En fait, je vais sauter... Et il faut... Ok. J'ai une idée. Une idée me vient à l'esprit. On va tenter quelque chose. Oh! Ah oui, d'accord. Ah, parce que là aussi, il faut sauter. Non, mais attendez. Oh, putain! Alors, j'avais calculé pour le bas, et sérieux, j'ai réussi, alors que vraiment, j'y croyais pas. Bon, par contre, le haut, je n'y ai pas pensé, évidemment. Il fallait aussi penser au pic du haut, évidemment!
Bon, donc on se ferait 1000 sans déconner. Bon, ben alors, vous oubliez pas les dons, hein. Alors évidemment, les dons, les subs, hein, devenez sponsors, vous savez que ça aide grandement la chaîne. Hein. Merde! Mais putain, il tire pas! Oh! Splendide, hein, vraiment. C'était magnifique, là. Oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Oubliez pas de mettre le pouce bleu. Oubliez pas de vous abonner. Putain, c'est pas possible, quelle malchance! Ouais, je suis foutu. Autant recommencer. Mais c'est dingue! J'appuie sur le bouton, il ne lance pas son fouet. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Mais vous avez eu la latence. Non, mais la latence est infâme, les gars. Mais je vous jure, je sais pas si c'est à cause de la Retron 5, de l'Etron 5. La latence, c'est fou. C'est un truc de fou, quoi. Putain. Déjà que le jeu est hyper lent à la base, mais je pense qu'il y a une latence qui est augmentée à cause de l'émulation, à mon avis. Non, mais sérieux, c'est un truc de fou. Bon, ah, j'ai même pas le long fouet, je suis foutu. Ah là là, je suis foutu. Ouais, je suis foutu pour l'autre, là. Il va revenir sur lui, l'autre il va repop et on sera foutu. Il va nous mettre dans la mouise, lui. Je peux le toucher qu'une seule fois. Putain, mais c'est pas possible, hein. Voilà. Alors là, comment voulez-vous? Apparaître une espèce de demi-god en puissance ou le retuer par derrière lui? Je me suis baissé! Je vous jure qu'il y a une latence de malade. Non, mais je rigole pas, là. Il y a vraiment une latence de fou, les gars. Vous vous rendez pas compte. Mais c'est injouable. Oui, je vous dis, c'est injouable. Avec deux gros ennemis comme ça, le jeu rame tellement plus la latence de l'Etron 5 que ça devient juste complètement injouable. Voilà. Voilà. Et non, ce n'est pas de la mauvaise foi. Alors, commencez pas avec cette histoire de mauvaise foi. Hein. C'est injouable, c'est tout. Là, sur le dernier truc, je me suis baissé. Et je vous jure qu'il a fallu 2 secondes au machin pour que je me baisse. À un moment donné, c'est plus possible aussi. Mais putain de merde. Ah putain. Eh ben, on a eu du bol. La prochaine fois, demande à quelqu'un qui t'aide à setup un émulateur avec un speed hack si possible pour ne plus galérer avec des ramages comme ça. Ah, mais c'est trop compliqué pour moi les émulateurs. J'y arrive plus! Bon, il faut que je réussisse à garder ce fouet jusqu'à la fin. C'est très important. Il fait 2 fois plus de dégâts et il a 2 fois plus de portée. Attention. Quatre coups et il meurt avec le fouet amélioré quand même. Squat les options si tu peux pas accélérer le bouse. Non, non, mais j'ai déjà regardé les options de la rétro truc. Mais là, comment tu veux ne pas se faire toucher aussi? Ah ouais, d'accord. Splendide, là c'est impossible, d'accord. D'accord! On ne peut pas améliorer, augmenter la vitesse du jeu, bien sûr que non. Hein. Évidemment. Bon, où est-ce qu'on était mort déjà? Regardez-moi ça! Vous avez déjà vu un jeu ramer autant? Rarement quand même. Bon, par contre, moi j'ai bien envie de passer à gauche en fait, parce que. Je dis qu'à droite, c'est un truc tout moisi, donc peut-être que passer à gauche serait la solution.
T'as pour essayer de tirer, ça sert à rien. Ah mais non, il y a juste un chandelier. Ah bon, ça vaut quand même le coup, il y a une boule. Bon, ça vaut quand même le coup. Non ! Allez ! Ça a servi à rien. C'est ça, c'est en haut où je suis mort. Bon. Quel est le problème, là ? Oui, non, c'est en haut. Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut que je saute avant d'atteindre le haut. Ah la vache, c'est ça, il faut sauter à gauche avant d'atteindre le haut. Ils sont sérieux avec ce genre de passage. Voyons, je suis là, je vais sauter là. Bon. Ah putain, faut vraiment sauter tôt. Oh là là, faut sauter extrêmement tôt. Putain, mais... Putain, mais on est à 2 FPS, les gars. Oh là là, mais allez-vous-en. Oh là là. Vite. C'est notre chance, les gars. Non ! Ouf. Bon, il faut sauter beaucoup plus tôt. Hein. En fait, je suis con. Il faut pas faire un saut comme ça, il faut juste faire un saut vertical, sans bouger. C'est ça. Je suis con. Tu fais juste un saut vertical sans bouger. C'est ça qu'il faut faire. Ok, bon, ce passage-là, c'est bon. C'est bon. D'accord, donc en fait, je peux les avoir comme ça. Faut vraiment bourriner direct. Hein. On est bon. Ah, c'est marrant, c'est aléatoire en fait, c'est ça. Les chevaliers, c'est aléatoire. Impressionnant. Ils ont réussi à faire ça. Bon, c'est la bonne là. Je vais me concentrer. Tu vas déjà te coucher, Flurio. Bonne... Allez, je vais... Comment tu veux ne pas te faire toucher ici, putain. Ah d'accord, ok. Mais en plus, ça vient sur moi, quoi. Ça dépend s'il l'envoie en haut ou en bas. Comment tu veux esquiver un truc pareil? Non mais c'est impossible. Ne pas te faire toucher à cet endroit. Va falloir m'expliquer. Oh là 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 là. Mais quelle infamie, putain. Bon. Comment tu... Même si j'envoyais le fouet, jamais j'aurais le temps. Jamais j'aurais le temps de péter la boule, quoi. Ah d'accord.
À chaque fois, ce passage, il est tellement juste. Je manque de tomber à chaque fois. Bon, alors... Ah d'accord. Eh ben dis donc. Faut avoir la foi quand même. Faut avoir la foi. Putain, mais ça rame tellement que ça me fait mal aux yeux, je vous jure. Ça me fait mal aux yeux. On va tous perdre 2 dixièmes à chaque grenouille demain. Alors non, qui joue plutôt à Super Mario Land 2DX qui est sorti il y a 3 jours à peine. Ah oui, quelqu'un a fait a mis de la couleur à Super Mario Land, j'ai vu ça. Mais c'est pas officiel hein. Ah ouais, j'ai vu la news. Je vois que le gros a choisi un jeu à la mode encore une fois. Ah putain. Essaie de te baisser quand la plateforme remonte, tu éviteras peut-être les piquants. De me baisser. Mais non, tu vois bien qu'elle va tout en haut, regarde. Regarde où elle va. Regarde où va la plateforme. Tu vois bien qu'elle monte tout en haut. Non, non, mais clairement, il faut juste sauter. Il faut sauter au bon moment. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Voilà. Ça peut être que ça. Ça ne peut être que ça. C'est juste sauter au bon moment, c'est tout. Quoi? Mais genre là j'ai sauté sur les pics là? Ah, mais je peux plus moi les gars. Oh là là là, mais l'infamie du bordel. Putain. On se fait gangbang dans tous les sens sans pouvoir rien faire. Tellement que ça rame. Génial! Hop! Vraiment... Vraiment splendide! Les vieux jeux... C'est... Les jeux vidéo, c'était mieux avant. Hein. Quand tu vois ça, tu es en droit d'en douter. Bon, on va laisser tomber les autres chandeliers, on s'en fout. Putain, mais en fait, ce qui me fait mal aux yeux, c'est le scrolling. Hein. Le scrolling avançant par saccade, ça me déglingue les yeux. Vraiment. Hein. Ah la vache. Mais vas-y, je suis baissé 100 fois. Je vous jure, putain. Dès que j'ai balancé mon fouet, je suis baissé direct, mais... Oh, il faut attendre, mais un temps infini avant qu'il le fasse, je vous jure. C'est fou, la latence est folle. La latence est folle. Putain. Quoi? C'est une blague ou quoi? Il a repop. Allez, c'est bon, je suis mort. Il a repop. La farce. La farce. Bon, j'ai déjà perdu une vie, autant me faire tuer, non? Ça n'a pas de sens de continuer, là. Ah, putain. Je vais me faire tuer au prochain chevalier, ça sert à rien. Alors, est-ce que je compte faire les deux Castlevania de la 64 ou pas, vu que tu sembles kiffer cette saga? Mais tu connais très bien la réponse, tu sais bien que je n'ai pas de réponse. Un, parce que je ne sais pas, tu vois. Et deux, parce que même si je savais, ben, ce genre d'épopée, ça reste une surprise. Donc tu sais bien que je ne vais pas te répondre. Pourquoi tu poses la question, putain? Mais tue-moi, saloperie de chevalier, je suis derrière toi, enfin. Aïe, 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 aïe.
Même pour mourir, il faut 10 ans là, ok. Donc pour mourir dans ce niveau, c'est très compliqué, d'accord. Utilise la save state aux plateformes. Est-ce qu'on a déjà utilisé les save state d'un émulateur ou de je ne sais quoi pour avancer dans une épopée? Est-ce que ça nous est déjà arrivé? Allez, peut-être une exception. Vous allez peut-être me trouver une exception quelque part dans les méandres des vieilles épopées. Bon. Mais ça reste extrêmement rare. Hein. Oh, le temps qu'il faut pour se suicider, c'est affolant, les gars. Mais c'est affolant, hein. Zelda 2, ça me dit rien. Si tu veux faire un jour Castlevania, ok, bah attends, là je vais vraiment me concentrer. Si tu veux un jour faire un Castlevania sur N64, fais plutôt la version Legacy of Darkness, qui est une sorte de version Director's Cut du jeu de base qui rend obsolète la version Castlevania d'origine. Je le note dans mon Pokédex. Bon, là, je vais me concentrer. La première vie, c'est la plus importante. Oh, mais il met un temps à balancer le fouet, je vous assure, je ne plaisante pas. Hein. Des fois, j'appuie sur le bouton et le jeu rame tellement à certains moments qu'il ne veut pas envoyer le fouet. Je plaisante pas, je dois bourriner le bouton pour qu'il veuille bien dégainer le fouet, c'est un truc de fou. Alors là, je vois pas comment. Je sais pas comment on peut ne pas mourir là. Je vais essayer de toucher la boule directe. Mais non! Bon, allez vous faire, c'est impossible. Tu peux pas. Tu peux pas. Incroyable, je l'ai eu. Putain, vous avez vu? Je me suis vraiment pris à l'avance pour réussir. Et là, évidemment, il le fait en bas. Putain. Incroyable. Bon, attention. J'ai réussi à mourir à cause des boules. C'est une blague! Putain, ce jeu des enfers. Mais c'est injouable. Mais je vous assure, c'est injouable, ça rame beaucoup trop! Ah d'accord. Putain.
Bon. Là, ça passe, c'est obligé. D'accord. J'ai l'impression qu'en fait, le problème, c'est que je rebondis sur la plateforme. Ça n'a aucun putain de sens. Il faut se mettre. Il faut que je me mette complètement à gauche. Il faut se mettre complètement à gauche de la plateforme avant de sauter, sinon ça passera pas. Mais dégagez-moi ces boules de merde! Putain de... Eh ben putain! Oh putain. Je crois qu'ils nous en veulent. Monsieur Konami nous en veut personnellement. Certainement par rapport à ce qu'on a dit sur, MGS5, j'imagine. Ça doit être ça. Alors attention. Putain, comment on va faire? Alors. Bon, bah évidemment, je vais en bas du coup. Ensuite. Hop. Ouais, bon, ça a pas l'air très compliqué. Ok. Bon, ce passage-là, ça va. Bon, ça semble être le même. C'est le même, là, on est d'accord, hein. Ouais, c'est pareil. Ok. Mais quoi? Mais la hitbox est pétée! J'étais à 1 mètre des pics en hauteur là, enfin quand j'ai sauté! Jamais j'aurais dû me prendre ces putains de pics, les gars, non mais jamais! À aucun moment, les pics, à aucun moment! Oh là là! Bon, c'est de la saloperie quand même! Ah non, mais c'est de la saloperie là, j'étais à 1 mètre des pics quoi! Non mais la hitbox est pétée de ce jeu, c'est n'importe quoi là! Faut arrêter de déconner! Là. Ah mon Dieu. Le jour où j'arriverai à ne pas me faire toucher à cet endroit, eh bien putain, vous m'appellerez, hein. Putain, j'ai beau balancer le fouet, tu te prends quand même de plein fouet, ça c'est incroyable ça. Ah, j'aurais dû avancer. J'aurais dû avancer. Mais non! Mais qu'est-ce que c'est? Putain, je suis bloqué! Oh putain! Ah, ça y est. Enfin, je l'ai eu en hauteur. Incroyable. Oh le bordel! Allez!
Voilà, c'est ça, oui. Ah, va te faire, nom de Dieu. Oh, ça rame tellement. Je peux plus, là, je peux plus. Hein. Je suis au bout de moi-même. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais... Faut vraiment que je saute avant. Faut vraiment sauter avant, c'est fou, ça. Même là, c'était juste. Même là, c'était juste. Oh, la corde, je l'ai chopé in extremis. Attention. Oh putain. Ah, il va nous emmerder lui. Vite, 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 homme, espèce de con! Ah, il va avancer. Oh putain, j'aurais dû y aller avant. Oh putain de merde. J'aurais dû y aller avant, je suis foutu maintenant. Bon, faut espérer que... Non, tu veux pas te jeter dans le trou, hein. Non, il veut pas se jeter dans le trou. Ah, je suis dans la merde, là. Bon, je vais essayer de faire en sorte qu'il me propulse à droite. On va essayer de faire en sorte qu'il nous propulse à droite. Faut que je saute au bon moment. Non, espèce de putain! Ah mais comment alors là? Putain! Ah génial, vraiment! Il faut que je redescende. C'est vraiment... Ah d'accord, ok, vraiment. What? Il a repopé! Il a repopé! Il a repopé ou c'était pas le même? Je sais pas. Je ne sais pas. Ah d'accord. Et l'autre, il a repopé derrière. Oh putain, non, les gars. Non, non! Je sais pas si j'ai eu de la chance, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Putain, mais c'est pas possible, ça finit jamais. Ah d'accord. Ok, je suis foutu, on va redescendre. J'ai plus de vie en plus, c'est génial les gars, je n'ai plus de vie. Bon, mais non, mais comment? Et là, tu fais comment exactement? Tu m'expliques comment tu fais pour monter sans te faire toucher? Mais what? Aussi baissé? Mais quel jeu de merde! C'est de la pire saloperie, hein. Je peux t'ai baissé? J'ai sauté! J'en peux plus! Alors je vais refaire la même. Hein. C'est passé, franchement, je sais pas comment, les gars. C'est assez incroyable. Oh là, mais c'est horrible. C'est horrible. Horrible. Ah, c'est horrible. C'est horrible.
Alors, vais-je réussir à passer là sans me faire toucher, à votre avis? Ah oui, d'accord. Ah, d'accord! Eh ben non! Cette esquive. Mais quand ça va en bas, putain, mais tu peux pas deviner si c'est en haut ou en bas et tu peux pas du coup anticiper le tir. C'est quand même un problème ça, bordel de bordel. Le cobra, il peut tirer de deux côtés, tu sais pas où il tire. Automatiquement, c'est compliqué. Bon, là, normalement, ça passe direct. Faut quand même pas déconner. Je peux plus mourir ici. C'est fini, ça. Merveilleux. Tellement juste. Bien. Ça, ce passage n'est qu'une formalité. Ok. C'est là qu'on a un checkpoint? Ou c'est après? Mais genre j'ai sauté? Quoi? Quoi? Je meurs en plus dans le trou? Petit enculé! En plus tu meurs dans le trou, hein? Ah putain! Mais comment? Mais c'est tellement de la merde! Mais c'est impossible là, c'est impossible! Mais c'est impossible ce passage à la con! Non mais là, non, on va jamais arriver là les gars. Mais tire! Mais j'ai tiré le fouet 1000 fois! Oh putain! Non mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est de la merde. Non mais... Alors là franchement... C'est quoi ce passage? On a passé ça du premier coup? Non mais là c'est fou là. Là c'est incroyable. Ce passage là il est fou. Ça rame tellement que... Bon. Je crois qu'il est temps de se faire un petit café. N'importe quoi. Alors là ce passage là...
on risque vraiment de galérer, c'est n'importe quoi. Allez, on se retrouve dans 5 minutes, après le petit café, j'en peux plus. À de suite.